Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du fin du grenier, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera un tout petit peu spécifique. On a eu une super mauvaise nouvelle aujourd'hui, je suis encore un peu sous le coup de matraque. John, que vous voyez avec moi dans les Big Iron, s'est fait cambrioler et il y a un sacré paquet de sa collection qui est parti avec. Je vais donc vous faire dans cette vidéo le récapitulatif de tout ce qui a disparu avec les photos correspondantes. Je vais pas vous dire à quel point je compte sur vous. Il faut impérativement qu'on retrouve ces flingues. Il faut impérativement que les fils de pute de merde, enculés de leur race, qui ont fait ça, s'en sortent pas, ne puissent pas les écouler, d'aucune manière que ce soit. Vous les avez vus dans les Big Iron qui sont déjà sortis. C'est des armes qui sont absolument magnifiques. John a passé sa vie à les customiser. Ceux qui ont vécu ce genre de traumatisme savent de quoi je parle. Pour John, là, je pense qu'il est au fond du trou. Donc il faut impérativement, chacun de votre côté, que vous partagiez un max. Je vais vous mettre la liste dans la description, dans le commentaire épinglé. Les photos dans la vidéo, j'ai la liste sous les yeux là, donc je vais vous la lire. Il faut impérativement qu'on les retrouve. Checker sur Naturabuy, checker dans tous les groupes, checker chez vos armuriers s'ils rendent des répliques de ce genre-là. Dites-lui impérativement de les mettre hors vente tout de suite, d'appeler la gendarmerie. Alors je ne sais pas laquelle c'est. Je crois que c'est la gendarmerie de la Tour du Pin à mon avis, ou celle de Pont-de-Beauvoisin. Mais dans tous les cas, contactez-moi, contactez John sur Facebook, ici sur la chaîne, peu importe. Mais je vous en supplie, faites quelque chose là, parce que c'est gravissime ce qui vient de se passer. Comme à chaque fois qu'il y a un cambriolage d'un passionné, c'est gravissime ce qui vient de se passer. Donc, en arme de poing, nous avons un pistolet Huberti Henri Derringer Cal 41 en coffret sur mesure avec accessoires. Nous avons un revolver Huberti Colt Patterson, deuxième modèle Belt, avec le refouloir calibre 36. Nous avons un revolver Huberti Colt 1847 Walker, calibre 44, barillet poli blanc et poignée huilée. Nous avons un revolver Huberti Colt 1848 Dragoon, premier modèle civil, avec l'armature de poignée plaquée argent, calibre 44 en coffret, avec accessoires. Un revolver Huberti Colt 1849 Pocket, avec armature de poignée plaquée argent, calibre 31. Là, il n'y a pas de photo. Revolver Huberti Colt, modèle 1851 Navy Civil, armature de poignée plaquée argent, calibre 36 avec guidon dérivable et étui en cuir PLM Brand Sudbury. Il a été volé sans le coffret. Revolver Palmetto Colt Route, modèle 1851, calibre 31, en coffret sur mesure avec accessoires, poignée en finition poncée huilée. Paire de revolver Huberti Colt 1860 Army Civil, ponté plaqué argent, calibre 44, en coffret sur mesure avec accessoires, guidon dérivable. Revolver Huberti Colt 1860, pardon, Army Civil, ponté plaqué argent, calibre 44, transformé en belly gun, canon raccourci à 7 cm, guidon dérivable, avec un étui cuir de chez Javelot. Nous avons une paire de revolvers Huberti Remington New Model Army Inox calibre 44 en coffret sur mesure avec accessoires, ponté et écusson de vis, deux plaquettes plaquées argent. Guidon remplacé et modification telle qu'il a l'habitude de les faire. Revolver Pieta Remington New Model Pocket, calibre 31 en coffret sur mesure avec accessoires. Revolver Palmetto Whitney Navy, calibre 36, poignée poncée huilée. Revolver Pieta Star double action, calibre 44, poignée poncée huilée. Revolver Pieta Le Mat, modèle anglais, donc à ponté rond, en calibre 44 en coffret sur mesure avec accessoires. Revolver Pieta Spiller & Burr, calibre 36, marquage effacé et plaquette poncée huilée. Revolver Pieta Griswold & Gunnison, calibre 36, poignée poncée huilée. Revolver Army San Paolo Roger & Spencer, calibre 44 en coffret sur mesure avec accessoires. Revolver Colt, modèle New Line, calibre 30, nickelé, ça c'est un revolver d'origine. On vient de finir les armes de poing et vous voyez la quantité de flingues et le prix et la beauté de ces trucs. Il faut impérativement qu'on récupère tout ça, c'est pas une option. En arme d'épaule, nous avons une carabine Huberti Henry 1860, modèle 44-40 Custom à canon de 56, c'est rarissime.
Crosse refaite, finition poncée huilée, œilleton de poignet sur mesure. Donc là, la photo, il n'a pas d'œilleton. Il l'avait prise avant de la monter, puisqu'il l'a montée globalement juste avant notre vidéo. Carabine de selle Huberti Winchester modèle 1866, calibre 44-40 custom, boîtier et bois repris, refait. Finition poncée huilée, plaque de couche type rifle, hausse inversée, anneau de selle enlevé. Carabine Huberti Winchester modèle 1873, calibre 44-40 custom, c'est un spécial sporting rifle de luxe. Bois de luxe poncé huilé, plaque de couche shotgun en plastique marqué Winchester, canon semi-octo de 61, hausse flap-top et œilleton de poignet marble. Alors j'ai oublié de vous donner les numéros, la Henri Huberti, c'est numéro 07-414, la Winchester 66, c'est W31-806, celle-ci, la 73, c'est la 80-965, ensuite on attaque avec une carabine short rifle de luxe, modèle 73 de chez Huberti, 44-40 custom, bois semi-luxe, poncé huilé, plaque de couche shotgun, plastique noir marqué Winchester, canon octo de 51 cm, hausse flap-top et œilleton marble actuel. Numéro W23-612. Ensuite, carabine short rifle de luxe. Huberti Winchester modèle 76 en calibre 45-60 custom, bois luxe, poncé huilé, plaque de couche shotgun en acier, canon octo de 61 cm demi-magasin, hausse flap-top et œilleton de poignet marble actuel réalisé sur mesure, numéro W12-131. Carabine rifle de luxe Huberti Winchester modèle 1876 calibre 45-60 custom, bois de luxe poncé huilé, canon octo de 71, hausse tangentielle, guidon à tige sous tunnel et œilleton de poignet Montana Vintage Arms numéro W67-310. Ensuite, on a une carabine short rifle Browning modèle 1886, calibre 45-70 custom, bois de luxe poncé huilé, plaque de couche shotgun plastique noir marqué Winchester, canon octo de 61 cm demi-magasin, hausse flap-top et œilleton de poignet Liman d'époque, celui-ci. Numéro 06-62-5PT-193, 197, pardon. Carabine Extra Lightweight Rifle Winchester modèle 86 calibre 45-70 de fabrication actuelle custom. Bois repris, finition poncé huilé, chien non rebondissant, hausse et sûreté de poignée supprimée. Œilleton de boîtier Liman actuel, le numéro OOE-SLR-1470. Carabine Special Short Rifle de luxe Army Sport Kiappa de chez donc Winchester modèle 1892 custom. Les bois ont été refaits, finition poncée huilée, cross type carbine, garde-main raccourci, hausse et guidon remplacés, œilleton de poignet marble actuel numéro T2-174. Une carabine Browning modèle 53 calibre 32-20 custom, bois de luxe repris, finition poncée huilée, guidon remplacé et œilleton de poignet marble actuel. Numéro 03968NM3F7. Et enfin, une carabine Sporting Rifle Winchester modèle 95, calibre 405, c'est celle que vous avez vue dans l'épisode qui lui était dédié, de fabrication actuelle custom Winchester. Bois repris, finition poncée huilée, plaque de couche en plastique noir, chien non rebondissant, sûreté de poignée supprimée, hausse remplacée et guidon à lame Mysore. Œilleton de boîtier Liman actuel, numéro 00075-8NW95A. Voilà, je vous remercie infiniment pour ceux qui feront l'effort se bouger le cul, de regarder, de vérifier. Prenez par exemple un modèle en particulier, soit c'est ce que je vais faire moi, soit une arme de poing et une carabine, soit deux carabines, soit deux armes de poing, et vérifiez partout sur le net où ça pourrait être vendu. Vérifiez chez vos dealers habituels, vos armuriers, vos brocanteurs, etc. Partout où ça pourrait être vendu, je vous remercie. Merci infiniment pour ceux qui prendront le temps. Là, c'est gravissime ce qui vient d'arriver. Donc, merci infiniment à tous ceux qui font l'effort. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.